Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec l'oracle de l'énergie. Vous risquez d'entendre les plaques chauffantes parce que j'essaie de rentabiliser le temps. Les énergies ne sont pas interchangeables. Ça me fait rire parce que autant des fois, la plaque peut être silencieuse pendant très longtemps et puis avoir des soubresauts comme maintenant là. Donc les énergies ne sont pas interchangeables, donc une femme reste une femme. Donc si vous êtes un homme qui regardait la vidéo, ça peut parler de la personne du cœur ou d'une personne de votre entourage. Amical, familial, entourage amical, familial ou professionnel. Et pour les personnes qui rejoignent la chaîne, vous avez plus d'informations dans la présentation sur le fonctionnement des guidances, que ce soit en privé ou sur YouTube. Première carte. Alors c'est drôle parce que là on me montre un détail d'un meuble qui est, j'allais dire, à raboter. Vous voyez, c'est comme si le vernis du meuble était en train de partir. Ça peut être au niveau d'un tiroir ou d'une étagère. Enfin, je sais pas, il y a un meuble comme ça à proximité de vous ou dans le salon. En tout cas, que vous avez pour certains dans la chambre. Et si ce détail vous parle, la guidance est pour vous là. Alors ici, j'ai des personnes dans un lien spirituel. Alors là, c'est le liquide vaisselle. Bon, j'ai fait la vaisselle il y a un moment quand même, hein. Donc ils sont dans un lien spirituel. Il y a de l'anxiété en ce moment par rapport au lien peut-être ou à des événements passés. Et j'ai l'impression que vous êtes en transmutation en ce moment. Et j'entends que ça vous demande beaucoup d'énergie. Peut-être qu'on a des, j'allais dire, des douleurs. Peut-être qu'on a de la tension au niveau des seins ou des bras pour certains. Alors, si vous êtes sportif, on vous demande de réduire un peu la cadence. Si vous êtes sportif, on vous demande de réduire la cadence parce que j'ai cette idée que certains sont en train d'assimiler les énergies, surtout au niveau du chakra du cœur. Vous voyez, dans tout ce qui est pectoraux, poitrine. Alors ici, j'ai cette notion d'étude. Je ressens des personnes, j'entends qu'ils passent un diplôme ou un examen prochainement. Par rapport à des livres, de l'écriture, tout ce qui est, j'entends scénique aussi. Peut-être l'imprimerie. Alors, vous pouvez solliciter l'archange Michael pour couper tous les liens négatifs. Vous pouvez solliciter l'archange Michael pour couper tous les liens négatifs ou manigances à votre encontre. Vous pouvez l'invoquer, vous voyez, pour neutraliser des personnes qui seraient liées à, voyez, à cet examen-là. Parce que je ressens quand même quelqu'un qui pourrait, voyez, essayer de saboter votre examen. Et je ressens vraiment un homme qui pourrait saboter l'examen. Enfin, tenter, en tous les cas. Et il y a possibilité de neutraliser cette personne, hein, le temps que vous passiez votre examen.
Il y a beaucoup d'hostilité de manière générale dans la rue. Vous voyez, tout ce qui est, j'allais dire, altercation. Désordre. Alors, c'est très particulier parce que je ressens que, vous voyez, la lumière gagne du terrain et c'est comme si l'ombre était en train de se réveiller, entre guillemets, en même temps, pour essayer de résister. Un bruit a retenti. On me montre aussi que sur la Terre, il y a beaucoup de personnes qui sont enchaînées. Enchaînées à des savoirs, des connaissances, des choses trompeuses. Vous voyez, on me montre des personnes qui ne sont pas libres et qui regardent des mascarades ou des choses assez négatives. Je vais vous prendre un exemple. Peut-être que certaines personnes, si vous voulez, peuvent écouter du coaching, mais les conseils ne sont pas forcément bons ou bien orientés. Ou alors, si vous voulez, c'est donné depuis l'ego et c'est pas quelque chose qui rend les gens libres. J'ai beaucoup ce, j'entends attachement par rapport à ça. Je ressens beaucoup de personnes qui sont en transmutation personnelle, déjà qui reprennent leur pouvoir, mais qui vont pouvoir aussi aider d'autres personnes dans la guérison personnelle ou dans l'appréciation de soi de manière générale. Et on me montre quand même un égrégore de personnes comme ça qui vont apporter plus d'amour et de lumière sur Terre. Et tout à l'heure, je vous parlais de l'ombre. Regardez la carte qui est au-dessus là. Ça va en déranger certains. De toute façon, c'est déjà le cas. Alors, je reviens, je vous montre la carte qui a sauté toute seule. Et je vais mettre sur pause pour aller chercher les autres. Alors, les cartes qui sont tombées. Donc, vous avez celle-ci. Je pensais qu'il y en avait plus. Il n'y en a que deux. Et la dernière. Alors, ici, je ressens que de manière générale, il y aura beaucoup plus, j'entends, d'appréciation. Je ressens une ouverture aux autres, de manière générale. Beaucoup plus de d'interactions, mais interactions bienveillantes, vous voyez, pour les personnes qui sont soit en éveil ou en transformation. Je ressens aussi beaucoup de débuts de relations ou d'engagements à venir ici. Vous voyez, on me montre plusieurs couples qui se forment. J'ai un peu cette idée de révolution du cœur là. Et pour certains, c'est comme si on va arriver à faire un deuil concernant de la tristesse. Tristesse karmique qui a été très importante. Je ressens qu'il y a de la jalousie, mais on me montre que c'est sous contrôle. Je lui dis ça parce que, vous voyez, c'est situé entre deux archanges. Même parce qu'il y a Gabriel aussi. On me parle de révolution du cœur, mais moi, la révolution du cœur, je la ressens déjà à un niveau individuel hein, où on prend en considération sa propre valeur et après on émane, hein. On fait rayonner, voyez, cet amour de soi, et du coup, ça attire beaucoup de sympathie. Et une ouverture du cœur qui amène à, j'entends, de nouveaux contrats. Mais pour moi, ce sont de nouveaux contrats d'âme. Et on me montre vraiment que l'ancien, qui pouvait être très cristallisé ou figé dans les énergies de certains, s'effondre. Vous voyez, on me montre que c'est jeté à la mer. On me montre que les énergies qui pouvaient être cristallisées ou très anciennes sont jetées à la mer, foudroyées.
Et à un moment, par rapport à ces énergies, j'entends cristallines, donc très anciennes et chaotiques, elles étaient très très solides, très ancrées chez les personnes qui sont en reconstruction. Donc on vous demande et on vous encourage aussi à vous reposer. Ça n'est pas procrastiner, s'il y en a besoin, le corps est en mise à jour là. Pour certains, si ça peut vous empêcher de dormir, par exemple sur la route ou en journée, faites-le. On attire encore mon attention sur le fait qu'il faut faire attention à ce que vous regardez. Si c'est sur les réseaux, sur YouTube, je ne sais pas. On me montre cette idée de masque, vous voyez, de tromperie par rapport à des choses qui sont avancées et on me montre que vous êtes enchaîné pour certains à ces tromperies. Parce qu'on me montre par rapport à ces personnes fausses qu'il y a, j'entends dans la lumière. Donc peut-être des personnes qui font semblant d'être dans la lumière, mais on me montre qu'il y a encore un bruit a retenti. Il y a quelque chose qui est caché. Vous voyez, une face cachée ou un comportement. Alors c'est bizarre, j'entends obscène. Quelque chose qui ne tourne pas rond. Et qui peut être de l'ordre de la. Comment dire? Du conflit. D'une hostilité quelconque. On me demande, je ressens une question de savoir est-ce que ça peut être lié aux informations. Informations genre 20h, je ne sais pas. Ça peut. Mais j'entends aussi que c'est très lié au réseau. Hein. Au réseau lié à, vous voyez, tout ce qui est lien d'âme, hein, parce que j'entends flamme jumelle. Hein. Peut-être des gens qui peuvent être sur les réseaux et donner certaines informations. Pour certains, on me montre que par rapport à ces informations trompeuses qui sont regardées, au lieu de vous rendre libre, ça vous enchaîne et ça vous ferme le cœur. Peut-être que certains sont dans l'attente, vous voyez, d'un retour ou d'une personne, alors qu'il y a, on me montre que les portes sont ouvertes. Les portes devant vous sont ouvertes, mais vous ne saisissez pas cette chance. Voyez, on me montre que vous restez volontairement fermé et que quelque part votre vie est en attente et bloquée. Et on me dit qu'on a terminé, on ne me donne pas plus d'infos pour ce message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si vous souhaitez et on se dit à bientôt.